comment est-ce que vous pouvez résumer 2014 avec cette coupe? Je pense qu'en tant qu'équipe, on a progressé sur plusieurs aspects, dont en fait le bâtir le jeu à partir de notre défensive et monter tout le monde ensemble sur le terrain. Je pense que le focus récemment a été beaucoup mis sur aller chercher les dernières actions face au but adverse, donc aller chercher le tir, chercher le centre pour aller gagner soit un corner ou un rebound. Donc, je pense qu'on a step up là-dessus. Il y a encore du travail à faire. On a encore quelques mois devant nous, mais je pense qu'on a eu une très belle progression en tant qu'équipe. Beaucoup de jeux cette année contre les meilleures équipes au monde. On termine avec une victoire et un match égal contre la Suède. Qu'est-ce que vous pensez de la potentiel de 2015 et c'est quoi votre niveau d'excitation d'une année très remplie d'actions? Je pense qu'en fait, justement, on a eu l'opportunité de jouer des matchs contre les équipes qui sont dans le top 5, top 10, en fait, là, au monde. Tout ça dans le but de nous préparer au meilleur de des moyens qu'on a face à nous pour justement pouvoir arriver à la Coupe du Monde prête à affronter ces équipes-là. Donc, on sait le potentiel qu'on a. Maintenant, il faut qu'on réussisse à aller chercher les résultats face à ces grandes équipes-là. Puis, je crois que dans la dernière semaine, on a prouvé que l'équipe progresse bien, qu'on va dans la bonne direction avec quelques ajustements encore à faire. Mais je crois qu'on a démontré qu'on était capable de concurrencer contre ces équipes. Alors, je pense que ça l'inaugure bien l'année 2015. Merci beaucoup. Merci.